Coucou tout le monde, c'est TutoPratix. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment supprimer un fichier ou un dossier ou un film ou ce que vous voulez sans passer par la corbeille. C'est-à-dire par exemple là j'ai cette image, vous voyez, je sais pas, là je la supprime dans la corbeille, vous voyez, donc je fais clic droit, supprimer, voilà, ensuite on fait oui. Ensuite ça va directement dans la corbeille. Mais je peux aussi ne pas mettre dans la corbeille, c'est-à-dire que ça se supprime sans passer par corbeille. Donc là je vais le restaurer pour vous montrer comment on fait. Alors on va aller déjà dans les paramètres de la corbeille, on va faire clic droit, propriétés, et ici on va aller cocher ceci, donc ne pas déplacer les fichiers vers la corbeille, supprimer immédiatement les fichiers lorsqu'ils sont effacés. Donc là c'est la confirmation. Si vous voulez que ça vous mette, voulez-vous supprimer ceci, oui ou non. Donc là, je vous conseille de le faire parce que ça va pas aller dans la corbeille. Ça va vraiment se supprimer définitivement. Voilà. Donc, je vous conseille d'afficher la confirmation. Parce que si je le fais pas, je vais vous montrer ce que ça fait. Appliquer. Donc là, j'ai fait ça. Appliquer, OK. Donc là, si je le supprime alors que j'ai pas que j'ai décoché le truc de confirmation, je supprime et voilà. Et là, dans la corbeille, il n'y est pas, bon, c'est normal. Et voilà, là, j'ai plus rien. Donc, voilà. Donc là, par exemple, je vais faire avec ceci. Mais sauf que là, je vais aller dans les propriétés. Et je vais cocher afficher la confirmation. Donc, on a coché ça, on a coché ça, on fait appliquer, OK. Et là, quand on veut le supprimer, donc soit vous appuyez sur la touche supr de votre clavier, ou sinon, vous faites supprimer là. Et là, voilà, on vous demande. Voilà. Donc, moi, je veux pas. Voilà, parce que j'aime bien ce film. Voilà, donc écoutez, c'était un tuto vite fait comme ça, donc ma voix est un peu bizarre, je préfère vous dire, parce que je suis malade. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, voilà, et à la partager aussi dans les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Ask, tous ces réseaux sociaux. Posez-moi des questions sur Ask pour faire un FAQ plus tard. Puis voilà. Allez, ciao les gens. Continuez à me regarder. Je vous remercie infinitivement. Ça se dit ça? Bye. Ciao.